Very good morning to you, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs, and welcome to this second day of AFFIS and to this panel discussion on open finance and connecting the dots on big data. My name is John Everington. I am the Middle East and Africa editor for The Banker magazine, which is part of the Financial Times Group. I'm based in London. We have a wonderful panel discussion today. So, La banque de développement constitue un phénomène essentiel tel que nous pourrons le voir dans la sous-région et de par le monde. Et la banque vient par exemple en Afrique et on a un pléthore de banques, l'UBIER et autres, et nous travaillons dans ce sens. Et nous avons aussi le Nigeria qui vient en premier plan pour cette banque d'investissement. Et il y en a qui sont donc un peu réticents par rapport à pays et surtout à cause du cadre réglementaire en dehors du Nigeria. Et la plupart pour penser à la gestion donc des documents physiques qui existent en la matière, quelle serait donc l'étape suivante pour maximiser le domaine financier? Il y a plusieurs choses dont nous devons discuter. D'abord, pour planter le décor, je voudrais passer la parole à Monsieur Jean-Alain Dicon qui va nous donner. Nous avons aidé à planter le décor, Monsieur John. Jean-Alain, vous avez la parole. Bonjour. L'idée, c'est de pouvoir planter le décor par rapport à certains sujets et notre réflexion aujourd'hui. Va tourner autour de certains éléments, dont le premier est à ce niveau, c'est quelles sont les parties prenantes lorsqu'il s'agit de Open Finance. Et alors, nous voulons avoir à l'esprit le Open Finance, c'est de pouvoir partager les données au niveau des fournisseurs de services afin de leur permettre d'avoir l'assurance de la clientèle et apporter des innovations et aussi arriver à un niveau de concurrence pour qu'il y ait donc on puisse passer à l'inclusion financière. Quels sont donc les acteurs? Qui sont donc les acteurs? Je voudrais qu'on puisse voir les différents groupes en termes de fonction et non forcément en termes de rôle que ces derniers jouent. Mais voilà, la première catégorie, je les appelle les détenteurs des données et sont représentés par les institutions financières. Et le deuxième élément et la deuxième partie à droite concerne les utilisateurs de données et qui sont définis comme les sociétés qui utilisent ces données pour fournir des services au niveau du système, de l'écosystème de finance, Open Finance. Ils sont donc des fournisseurs de solutions, ils nous offrent des solutions. Et l'approche qu'on peut avoir ici par rapport à l'agrégation et surtout dans le contexte de l'Afrique où nous avons une technologie qui est gérée par la télécommunication. Et la technologie a différents logiciels et toujours à ce niveau, il y a les derniers usagers de ces données qui sont donc les consommateurs. Toujours autour de ceci, il y a ce que j'appelle par l'autorité de régulation qui ne sont pas aussi solides, telles qu'il faut parler par exemple des financeurs OP et il y a aussi les syndicats de banques et
ceux qui définissent les règles d'engagement dans cet écosystème, soit en matière de finances, en matière de données ou en matière de technologie. De quoi avons-nous? Qu'est-ce qui est disponible? C'est-à-dire, le deuxième élément de notre réflexion, c'est de voir le cadre qui est défini, comment pouvons-nous faire le benchmarking et aussi un environnement réglementaire pour dire qu'il y a des règles pour avoir accès et en concurrence. Par exemple, il y a la sécurité, il y a la réglementation relative aux consommateurs et surtout ce qui est dans l'écosystème. Et aussi, la sixième catégorie, c'est l'autorité gouvernementale. Et avec cela, nous pourrons définir trois catégories et je crois que cela ferait objet de discussion. Et le premier, c'est le premier aspect, c'est open. Et je me dis quand même que c'est réglementé. Et toujours à ce niveau, les gens sont dans le marché pour voir le modus operandi et la bonne relation. Et cela est souvent considéré comme une approche américaine qui est sous forme de laisser faire, mais cela prend en compte les différents acteurs pour pouvoir faire la part des choses. Sur l'autre élément que nous avons, qui est une innovation, c'est comment compter sur la réglementation à l'interne et voir ce que c'est. Maintenant, il y a l'approche équilibrée entre l'innovation et la protection où vous avez les réglementations, mais vous avez en outre un bon cadre de reddition des comptes. Et pour dire que le bureau est établi, mais tous les acteurs sont sollicités à rendre compte et être responsables de leurs activités et vous devez travailler dans un environnement restreint où vous avez un nombre de réglementations qui régissent la société. Venant à la question pourtant centraliser l'Open API et les données, il y a trois séries d'éléments qui sont pris en compte. Et le premier, c'est le développement et élaborer donc des normes qui permettent, qui seront en faveur de la probabilité, ceci prend en compte tous les acteurs, les producteurs, les institutions et autres. Et le deuxième élément a trait à la gestion. Et à ce niveau, nous parlons de la collecte des données, les utilisant pour qu'ils soient en mesure d'être exploités. Et le troisième élément qui concerne le processus d'arbitrage qui établit la solution, bien la bonne entente entre les parties prenantes en matière de résolution. En termes de gouvernance, vous devez avoir un organe qui est un aperçu et une vue sur tout ce qui se fait. Il y a des règlements, ce qui est connu de tout le monde, et il y a la transparence, deuxième élément, et le troisième, c'est la reddition de comptes, c'est-à-dire la responsabilité. Si nous faut mettre un aspect un accent spécifique sur ce qui se vit ou se fait en Afrique. Nous avons de nouvelles initiatives pour le développement de nouvelles technologies. Et le premier en genre, c'est l'argent mobile ou bien mobile money. Et nous avons aussi le agent banking. Le agent banking, c'est une manière de rapprocher le service au client à travers les agents permettant aux gens de fournir des services à travers les clients afin que ces clients
n'aille plus au bureau, que je n'aille pas par agent classique, mais qui peuvent gérer leurs services à l'interne à travers les agents qui sont proches d'eux et donc tous ceux qui sont proches des clients. Le troisième élément, la troisième tendance, c'est le digital lending. Et là, c'est la nécessité pour les gens d'être impliqués, d'être pris en compte et aussi avoir accès au système de banking pour pouvoir faire des prêts auprès des institutions financières et ceci pour avoir des prêts nano, micro, au niveau du service des téléphones. Il y a aussi d'autres techniques au niveau de InsurTech qui rapprochent les produits d'assurance en une forme de détail qui permet aux gens d'en faire bon usage. Et le dernier qui est aussi important, c'est quoi? C'est la finance incorporée, c'est-à-dire incorporer une plate non, les services non financiers. Service financier, je veux dire, et ça va directement sur vos coûts et vous allez aux éléments qui achètent maintenant et qui payent plus tard, dépendant du niveau de la sophistication du système. Le dernier élément sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est dire qu'il y a donc des questions de rémunération autour de l'intelligence artificielle. Et la question est toujours de savoir que pouvons-nous espérer de l'intelligence artificielle, devons-nous nous en servir, devons-nous lui faire confiance? Et je vais mettre cela comme matière à réfléchir. Et l'idée principale ici, c'est que l'intelligence artificielle doit être en mesure de rendre les données accessibles et compréhensibles. Et lorsque il faut comprendre la nécessité d'incorporer l'intelligence artificielle au niveau d'abord de l'accessibilité aux données, la compréhension des données, et cela prend en compte un grand nombre de données et avoir une percée, ce qui vient à l'homme, c'est quoi? C'est l'autre côté qui concerne le credit risk assessment. Et l'utilisation, c'est de voir comment nous pouvons nous servir de l'intelligence artificielle et pouvoir la sélection des portefeuilles en matière de formation et autres et prendre des décisions rapides. Nous pouvons nous demander aussi comment pouvons-nous procéder pour faire des prêts en 24 heures et toutes ces directives que l'intelligence artificielle peut faciliter, peut donc être dans le pléthore du système bancaire lorsque nous parlons de open banking. Et merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, M. Jean, pour cette présentation qui est claire et ce qui pourra lancer les débats. Et sans perdre de temps, je voudrais donc inviter nos panélistes qui sont là. Le premier, il y a M. Sion Yo, qui est le CEO de FC Holding, M. Ajayi, pour les services financiers. Transbel l'entreprise et le dernier, pas le moindre, nous avons Mohamed Saad, qui est le vice-CEO, et donc souhaitant-le la bienvenue au podium. Bienvenue à vous de vous joindre à nous ce matin. Alors, Joanne, dans votre présentation, peut-être si vous pouvez commencer et autour de thèmes comme ça, Open Finance, et s'il faut rebourser chemin un peu, mais
en quoi cela consiste et qu'est-ce que les clients, certains clients doivent savoir là-dessus et quel est l'aspect le plus important ou bien excitant de la chose. Ça, c'est bon? Alors, je crois que c'est bon, on peut évoluer comme ça. Juste pour dire que je, selon vous, et vous avez travaillé sur ce point et quel est donc le plus grand bénéfice pour les clients. Et M. Jean a déjà planté le décor à ce niveau. Bon, je suis content de répondre à cette grande question et je dois dire que je travaille en Afrique, dans certains pays, pour 7 ans, Maroc, Côte d'Ivoire, le Nigeria et après le Ghana et maintenant je suis au Kenya. Ce que je vois, c'est qu'il y a souvent mes clients africains ont de bonnes mémoires et il y a des données qui ont été manipulées, mais lesquelles ne sont pas utilisées dans l'intérêt de ces clients et ils n'en sont pas tellement aussi éclairés. Au prime abord, je voudrais revenir à la question dans son ensemble pour dire que Open Finance joue un rôle dans ce domaine et cela amène à l'appel pour la digitalisation et aussi pour donner une idée claire telle que soulignée par Jean-Alain plus tôt pour voir ce que nous pourrons faire et où, dans quelle direction nous pourrons aller demain. Donc, lorsque vous voyez un peu le marché, par exemple, dans le monde, Maroc, le Singapour et autres, ce que je vois, c'est qu'il y a deux choses qui ressortent des perspectives. Qu'est-ce que cela entend? Comment les clients entendent cela, comprennent cela et quelle est donc quelle appréciation les banques font des données? Lesquelles données doivent être crédibles au niveau de nos clients? Le second aspect, c'est de voir comment aider les clients avec les services et avec 70%. Nous devons donc investir plus de revenus et ne pas penser à d'autres nouvelles branches physiques. Et juste à ce titre, l'idée, c'est de pouvoir permettre aux institutions financières de pouvoir vérifier les identités pour que les gens ne puissent pas aller dépenser pêle-mêle. Mais donc ça, c'est le premier élément que je pourrais ajouter. Et le deuxième, par rapport à la concertation, c'est l'accès au marché, ce qui peut être pris en compte. Franchement, surtout, non seulement les banques, mais FinTech et la manière de le faire, c'est que il n'y a rien en Afrique qui soit trop informel, mais il faut penser aux revenus que cela réalise, que cela apporte, et ils font face à environ à 360 milliards de dollars, par exemple, et surtout sur le continent africain, ce qui est très important. Le deuxième élément, c'est que c'est de pouvoir approuver et aller dans le même sens que les prêts qui se font. Et donc, je vais relier cela à ce qu'on peut comprendre au niveau des comptes et que, par exemple, pour voir comment penser trouver des mesures d'atténuation. Et je suis ici, c'est de pouvoir aussi niveler tous les différents principes et tel que cela se fait au niveau de notre société. Et voilà, ce sont des partenaires. Nous faisons des dépenses avec eux. Et ces dépenses sont faites ou effectuées sur des principes et être
automates ou bien travailler sur l'informatique avec des scanners et comprendre les choses, cela rend la chose plus facile et pouvoir vous lancer et voir les dépenses qu'on pourra éventuellement faire et au niveau des finances, pour être bref. Alors, cela, on va revenir sur ça plus tard lorsqu'il s'agira des questions sur le monde. Alors, quand est-ce que ce qu'il vient de dire, quelles sont les perspectives que vous avez, qu'est-ce qu'on peut faire des données et voir ce qui peut être potentiel pour les banques et surtout pour avoir des défis. Et selon vous, au niveau des banques, comment pensez-vous procéder? Comment voyez-vous ce que les tierces parties peuvent servir de cette donnée-là? Merci Yann pour cette question. Au prime abord, je voudrais dire que ce n'est pas que nous ayons la volonté pour aller au niveau de FinTech, mais plutôt qu'est-ce que nous pourrons bénéficier de Open Finance et pour améliorer les finances de nos clients, notre concurrence et aussi nos actions sur le marché. D'abord, en tant que banque, nous sommes dans le développement de la technologie et tout se fait de façon rapide et vous ne pouvez pas avoir toutes les compétences que vous avez au niveau de votre banque et surtout pour de votre développement et vous devez tout faire pour vous arrimer avec l'évolution de la technologie afin d'être avoir tout ce qui se peut faire pour pouvoir définir aussi les responsabilités des parties tierces. Et depuis les performances de la nouvelle technologie, l'architecture, le développement de l'intelligence artificielle et autres, FinTech s'est rapidement développé et offre plusieurs solutions aux banques pour être très concurrentes et aussi pour être en mesure de pouvoir atteindre leurs objectifs par rapport aux attentes des clients. Ça, ce n'est pas nouveau pour les banques. Donc, utiliser les solutions des parties tierces faisait toujours partie du processus depuis des temps. Et ce qu'il y a, c'est que ça s'accélère plus et les solutions sont plus techniquement retrouvées et on pourra aussi développer tout à l'intérieur, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin. La question n'est pas si nous devons ouvrir nos données à FinTech, mais comment nous pourrons les gérer afin de pouvoir nous conformer, être en conformité avec nos statuts, nos textes et surtout la sécurité au niveau de nos données. Ça, c'est ce dont nous avons besoin. Et aussi, pour voir si nous avons une réponse à ces deux questions, la question portant cybercriminalité, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Et si nous trouvons des réponses à ces deux questions, nous devons nous assurer aussi que nos systèmes juridiques soient suffisamment aussi ouverts pour pouvoir prendre en compte ces solutions qui viendraient du dehors. Et dans les banques comme les nôtres, nous avons choisi, nous avons opté pour Open Finance, ce qui est ouvert, pour pouvoir accepter les API, par exemple. Et c'est là une question très importante
minutes pour nous assurer que votre système juridique ou système informatique soit flexible le maximum possible et qu'on soit en mesure d'accepter un pays d'un côté aussi. Une chose est de l'accepter, mais autre chose est d'être ouvert suffisamment à cela. Et aujourd'hui, notre architecture nuage, bien cloud, est suffisamment ouverte et cela pourra offrir des solutions de l'intelligence artificielle. Voilà ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et on a une architecture qui essaie de façonner les données afin que le nuage, le cloud puisse nous offrir des solutions qui viendraient de l'extérieur. Et voilà mon apport à la question. Ceci m'amène à Mati. Je suis sûr qu'il aussi doit avoir des solutions à son niveau. Ceci est aussi important pour moi quant à vient à l'aspect de la mise en œuvre de telles solutions. Quel est le plus grand défi sur lequel les banques doivent travailler? Vous avez travaillé avec les banques depuis des années et voyant votre expérience, que pourrez-vous nous dire à ce sujet? Merci beaucoup pour cette question. Et pour Open Finance, pas destination, c'est l'échange des données entre les institutions financières et ce que nous appelons TPP, c'est-à-dire Third Party Providers. Et à part des organes de réglementation, et ceci sur la base du consensus de la clientèle. Et parlant de cela, nous pourrons parler de l'argent mobile, mobile money. Pour Open Finance, nous pourrons parler de embedded finance. On peut aussi parler de ces différentes formes d'affaires ou de business pour la nouvelle tendance dans le système bancaire. Et lorsque nous venons sur le continent africain, nous voyons que le système bancaire traditionnel a des limites, bien sûr, en termes d'inclusion financière. Et au jour d'aujourd'hui, sur le continent africain, à environ 40% de la population adulte qui dispose d'un compte bancaire et 60% au plus n'ont même pas accès aux infrastructures bancaires. Et à ce niveau, nous pourrons voir l'impact que le mobile money a sur nos populations et par exemple les gens qui peuvent ouvrir plus de 100 000 comptes, les gens qui ne peuvent pas ouvrir des comptes bancaires, même pour ce qui correspond à près de 70% de transactions où on n'a pas besoin forcément d'aller vers cette banque. Donc, le Open Finance est important pour notre continent africain. Venant au défi et surtout au niveau de notre institution, nous avons remarqué qu'il y a plusieurs défis. Ce n'est pas forcément concernant la technologie, mais cela tourne autour des réglementations. Et nous savons que sur le continent africain, on peut parler du Nigeria et du Kenya, d'autres pays qui disposent de ce système de open finance. Mais pour le reste des pays sur le continent, nous manquons de ce type de réglementation. Et donc, il est temps que nous puissions aussi nous lancer pour une bonne réglementation. Et des organes régulateurs doivent accélérer le système bancaire lorsque nous parlons en général du open finance. Le deuxième défi peut-être a trait à la technologie.
Et même si nous imaginons que dans un pays X, par exemple, la banque centrale a ce problème, nous devons prendre en considération l'existence des institutions financières et voir plus, pour dire qu'il y a plusieurs institutions financières qui utilisent encore des infrastructures obsolètes et ce type de technologies ou infrastructures sont vétustes et il va falloir avoir un catalogue de ABI sur ces différentes formes d'outils à utiliser. Il y a aussi un autre aspect qui touche la qualité des données et si les données sont gérées et lorsque nous allons ouvrir le système aux tierces personnes, nous serons confrontés à des problèmes. Et cet aspect technologique, la modernisation de la technologie doit être bien mûrie et adopter des technologies et surtout lorsque nous parlons de cloud, c'est-à-dire en nuage, et cela est très nécessaire pour Open Finance. Et nous savons que dans plusieurs pays sur le côté africain, il y a non pas des réglementations par rapport au cloud. Et il y a des clouds qui sont interdits. Donc c'est comme c'est des clouds publics et des nuages publics. Et il y a peu seulement de textes qui régissent cette réglementation. Et donc, le troisième défi, peut-être pour clore, il y a aussi l'éducation financière du côté des clients. Et comme vous l'avez dit au départ, Open Finance consistait à partager les données sur le, en consensus avec le client. Et si le client a des indications financières, il ne pourra pas donner ou livrer son consentement. Et donc, il va falloir éduquer, informer, sensibiliser les gens autour de ce nouveau modèle est en termes d'éducation et avoir éducation inclusive pour nos clients. C'est-à-dire l'éducation inclusive est sur les données et sur les finances, Open Finance est aussi importante. Monsieur Mohamed, c'est vrai, la parole va vous parvenir et voilà, c'est votre tour. Il est important d'écouter maintenant de votre point de vue, selon votre expérience, que pensez-vous dire de Open Finance? Le projet est là et par rapport aux différentes données, quelles sont vos intentions à l'endroit de ce projet? Qu'est-ce qu'il faut acquérir? Et lorsqu'il faut, par exemple, prendre en compte certains éléments, et nous venons à vous pour partager votre expérience avec nous. Merci John et merci aux organisateurs pour cette invitation. C'est ma première visite ici au Togo et je pense y revenir. Et nous parlons des données, parlons de cloud et autres. Ce qui est important à souligner à ce niveau, c'est que le secteur a besoin d'être amélioré et donc les technologies d'information doivent permettre aux informations de se répandre et doivent être connectées à différents systèmes. Parlant du capital du marché, on parle d'Amazon et d'autres plateformes, c'est que c'est une plateforme où nous pourrons voir les investisseurs, les universités, les universitaires sur FinTech et beaucoup de questions qui ont trait au marché, des questions portant à clients qui pourront intervenir et rendre la plateforme dynamique.
parlant des données, on ne pourra pas le faire si nous ne disposons pas de systèmes informatiques et de technologies efficaces. Je voudrais donc faire cette analyse pour dire qu'on est d'accord avec l'intelligence artificielle et au même moment, il faut savoir aussi quel usage en faire pour dire que ça peut aller dans faire du langage. Mais bon, il faut comprendre quand même que on pourra aussi avoir tiré le son de cela, ce qui pourrait servir de valeur ajoutée. Lorsque nous parlons de l'enregistrement ou bien de sauvegarde au niveau d'un cloud, mes collègues en ont déjà fait allusion et nous sommes bien positionnés dans ce secteur. Et en touchant cela, nous devons parler de BIR. Je vais partager une expérience avec vous. La fille de 23 ans a une idée sur le changement de prise. Et en janvier 2023, nous avons un pilier dans notre stratégie qui consiste à être proche, très proche des universités et de fintechs. Et parlant de Open Finance, ça c'est une innovation. Et je me rappelle au niveau de notre institution, peu importe qui vous êtes, attendez quelqu'un d'autre qui viendrait. La concurrence, la compétence et l'expertise sont quelque part. C'est pour cela que nous sommes proches des universités et à FinTech. Et nous avons ce que nous appelons le changement de championnat. Et nous avons une plateforme où les étudiants, et dans un intervalle de temps de d'un mois, il peut venir compétir et à la fin des résultats, nous analysons et les résultats sont donnés et on offre des prix. Nous étions sur le point de lancer notre projet en mars, on devait lancer ça en mars 2023 et les gens ont eu à parler de ChatGPT que vous connaissez et moi j'ai envoyé un message à mes collègues au niveau du service au département numérique au digital, dit parlant de ça, essayez de trouver quelque chose à ce sujet et voir si nous pourrons donc en faire usage. Et cela a pris jusqu'à 5 jours, c'est-à-dire de longs jours pour mes collègues et surtout pour cette nouvelle technologie et comment l'incorporer dans le système. Au quatrième jour, ils m'ont dit si je peux venir, ils peuvent venir dans mon bureau pour en faire partage. Et ils ont essayé de, à partir de API et à travers ChatGPT et voir ce qui peut être fait. Et il a été montré sur notre plateforme parce que j'avais deux icônes et la première icône c'est ChatGPT pour poser des questions à ChatGPT. On a posé des questions, supposons que je suis étudiant et je voudrais compétir dans ce championnat et j'ai certains comportements. J'ai de l'appétit en termes d'investir et à travers certaines questions, ces étudiants vont répondre environ une vingtaine de questions et en somme, cette question sera renvoyée à ChatGPT qui va analyser ces résultats et va nous revenir avec l'appétit donc de ces questionnaire et pour dire de quelle manière on peut intervenir sur le marché et comment tester et comment procéder avec ce ChatGPT. Deuxième icône, c'est que lorsque un étudiant est sur le point de vendre ou d'acheter une action, ce dernier peut poser des questions à ChatGPT de quelle est la performance de cette action les dernières années et
quand je clique sur ça, je vois toute une série de transactions. Là, je l'envoie à ChatGPT analyse pour me dire Maroc Telecom, Banque Africa et autres ont tenu des performances durant sur telle période. Et les étudiants peuvent dire qu'ils peuvent intervenir. Et nous avons lancé cela en mars et nous avons eu environ 2000 étudiants de par le Maroc qui ont souscrit et qui ont compéti. Croyez-moi, je dois vous dire que l'index essentiel, c'était donc sur plus de 10%. Les meilleurs élèves, les étudiants, donc, sont allés à 28 de 7, on est allé à 28%. Et nous avons remarqué qu'ils étaient très intéressés par la chose. Et il y avait donc cet enthousiasme. Il y a une compétition. Les gens sont allés dans ce domaine-là. Et c'était donc une des meilleures de la plateforme en 2023. Alors, cela demande aussi appel pour des actions parce que nous avons des espérances que de certaines années plus tôt, certaines universités venant des pays subsahariens en Afrique. Et c'était donc un appel. Et chaque fois qu'il y a un besoin, nous pourrons l'ouvrir à d'autres universités de l'Afrique ou bien des pays amis au Maroc. Si vous me permettez, alors je voudrais vous poser la question, mais puisque vous m'avez pris déjà le micro, je voudrais juste mettre un accent sur ce que nous appelons par ChatGPT, parce que dans un domaine pareil, qu'est-ce que vous en dites? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais faire quelques commentaires par rapport à la réponse donnée par M. Mohamed. Nous parlons de l'éducation financière. Lorsque nous parlons des institutions de Open Finance, je suis très heureux d'en entendre parler. Et quand je prends, par exemple, Cassandra Stock Exchange, il s'agit d'une forme d'expérience dont ont besoin les institutions financières. Ceci est bon pour les étudiants qui sont encore des usagers et cela est bon pour le stock de Casablanca parce qu'ils doivent explorer de nouvelles technologies à Casablanca et par rapport à leur business, c'est-à-dire le commerce et autres. Et cela est aussi bon pour l'économie parce que la mission du gouvernement, c'est de pousser les sociétés à avoir cette éducation et au niveau des étudiants. Et sans cette forme d'éducation, cela nous prendrait beaucoup de temps pour ouvrir, pour développer le Open Finance. Revenant à votre question sur l'intelligence artificielle, et je voudrais m'inscrire en faux pour dire que cela ne peut pas remplacer les services humains en totalité, mais seulement cela va faire accroître les services humains et c'est comme c'est une spécialité au niveau de certaines affaires. Et lorsque, présentement, nous parlons de Cisco Development, ChatGPT a de merveilleuses capacités à produire des services, des indicateurs clés de performance capitaux, je veux dire, indicateurs. Mais cela pourra créer d'autres avenues, d'autres possibilités et nous devons aussi voir l'aspect positif de la technologie. Et lorsque nous parlons de l'intelligence artificielle, il y a quand même l'aspect négatif, comme tout autre outil, bien sûr. Et lorsque
Je parle, par exemple, d'un arme ou un œuf. Je ne peux pas prendre un couteau ou bien une arme pour aller attaquer quelqu'un. Il y a des réglementations qui régissent tout. Et donc, l'intelligence artificielle aussi doit être réglementée pour être utilisée dans le bon sens. Mais dans le domaine financier, et pour vous rassurer, j'en sais quelque chose, pour dire que maintenant, l'intelligence artificielle est considérée comme la technologie émergente. C'est comme vous avez besoin de technologie, vous avez besoin de cloud, et cloud qui est très important. Et parce que sans cela, il est difficile de voir de quelle manière on peut faire un bon usage de ces données. Maintenant, avec les différentes données, voyant l'inclusion au niveau de l'Afrique et vu les types de services, on pourra aussi utiliser les services et ainsi l'intelligence artificielle pourra aider à réduire les coûts, par exemple la gestion anti-fraude, le clientélisme. Et moi, personnellement, j'encourage les banques et les institutions financières de s'asseoir et discuter, réfléchir sur les technologies nouvelles pour qu'ils puissent les incorporer dans leur système. Et nous avons vu que plusieurs banques sont à l'œuvre, à pied d'œuvre, et nous avons aussi vu les résultats. Quand je prends, par exemple, DBS au Singapour, on utilise cloud, utilise tel, et en 10 ans, ils sont allés et à être l'une des banques qui était la banque la pire pour me venir aux meilleures banques au Singapour. Bon. Je suis intéressé de vous écouter et donc je voudrais vous ramener un peu derrière sur certains points, certaines discussions que nous avons tenues plutôt et ceci avec pour permettre de voir ce qui peut se faire en matière de réglementation au niveau africain et donc nous peut-être si nous pourrons venir à vous parce que Jean-Alain dans sa présentation planter un peu le décor et je pense que vous voyez là où je veux en venir et de votre perspective en tant que banque et avec tout ce qui est développé, y a-t-il une particularité par rapport aux régulateurs, les lignes directrices à définir pour pouvoir élaborer ou développer des normes au niveau de l'API. Qu'est-ce que vous en dites? Merci infiniment. Et tel que je l'ai dit plus tôt, et comme nous nous préparons pour la mise en œuvre de Open Finance dans nos environnements, il y a la technologie au niveau du système et en termes d'architecture tel que nous pourrons le dire pour qu'on soit en mesure d'abriter et avoir nos solutions en informatique et ceci au sein du cloud. Et la question maintenant est de savoir dans quel cadre on pourra, quel cadre définir et voir pleinement ce qui peut être fait et ce que Open Finance peut apporter à nos affaires. En fait, lorsque vous écoutez M. Mohamed Saad, il a donné un exemple spécifique sur le stock market et sur la manière dont, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent améliorer la performance de certaines actions sur le marché. Et pour les banques, et tel que cela peut se faire, et les indicateurs de performance peuvent être faits, et ceci l'accès à notre
Et nous ne sommes pas au Nigeria et lorsque la réglementation doit être flexible avec l'évolution, surtout dans notre système bancaire. Et la question est de savoir de quelle manière pourrons-nous gérer et appuyer nos gestionnaires, nos administrateurs pour aller à l'amélioration de nos systèmes. Je crois que si nous voulons donc amener nos régulateurs à accepter ce programme pour eux, il va falloir définir les intérêts qu'ils peuvent tirer de cela. Et lorsque vous dites à ces régulateurs, ça, je voulais parler de la gestion de risque, par exemple, que ça va améliorer le système. Et il se dit qu'à cause des risques, je vais connaître des améliorations parce que j'utilise cette solution de Open Finance et surtout pour l'approche pour ce qui me permettrait d'avoir un profil et pouvoir surmonter les risques, les capacités de risque de mon portefeuille. Si vous arrivez à leur expliquer quelle amélioration on pourra faire au niveau des risques, je crois quand même que à vous de leur dire qu'ils pourront mieux contrôler leur système parce que l'intelligence artificielle vient avec des solutions prévisibles. Et comment l'appelle-t-on, les fintechs et les supports au niveau des clients, au niveau de votre architecture. Si vous arrivez à expliquer cela de fond en comble aux régulateurs et vous leur expliquez aussi qu'ils vont améliorer leur système d'inclusion dans le pays grâce à l'utilisation du pouvoir et de la du pouvoir de l'intelligence artificielle. Et là, vous pourrez donc amener beaucoup d'autres personnes dans le système bancaire. Et si vous leur expliquez les intérêts, tout ce qu'ils peuvent tirer comme résultat positif de ce principe, ils vont accepter, je crois bien. C'est ce que nous sommes en train de faire en tant que des professionnels, en tant que des banquiers. Nous l'avons fait de notre côté et nous devons faire ce qui est à notre côté et aussi pour pouvoir tirer le profit ou bien le meilleur au niveau de Open Finance. Alors, de votre perspective, quelle approche voulez-vous avoir et est-ce que vous pouvez partager les approches avec nous? Je suivais tout avec intérêt et au prime abord, je dois dire que nous pouvons donc aller plus loin, bien sûr. Je dois dire que il est important de savoir que dans toute situation, comme on peut le remarquer, il faut toujours penser à ce qui se fait et voir, par exemple, les années qui évoluent. Et par exemple, il y a donc plus d'ouverture dans ce domaine et on a besoin de faire des suivis et des contrôles. Et je crois quand même que l'aspect important de la chose, c'est le fait que si nous faisons beaucoup, prêtons attention à la manière et au modèle de gestion des sociétés et voir quelles contributions voulons-nous apporter et
voir les forces motrices pour l'avenir. Et ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, je crois quand même que nous devons savoir que nous sommes à l'époque, à l'ère de l'évolution des médias, bien des réseaux sociaux, et ceci doit aussi contribuer à l'amélioration des programmes de nos opérations. Et cela, c'est un aspect. Et je pense que cette approche est nécessaire. Et revenant à votre question, je pense qu'il faut voir les piliers. Et nous devons accepter et admettre que toute technologie, quoi qu'il en soit, nous devons savoir quand même qu'il faut une transparence au niveau des différents usagers, tant le producteur de l'outil ou le consommateur de produits, et il va falloir quand même qu'on puisse savoir l'intérêt que cela apporte à tout le monde. Il n'y a pas une réglementation qui dit qu'il y a un seul nombre de personnes ou de ceux qui doivent opter pour cela, mais ils doivent comprendre cela. Et pour une société de pouvoir décider, c'est-à-dire étant décideur, par exemple, ou étant une organisation de régulation, il faut qu'il y ait un portefeuille ouvert, et cela provenait du ressort des investisseurs à décider par rapport aux dispositions existantes. Je le dis, ça c'est mon point de vue à moi. Nous sommes Nigériens et nous avons continué pour contrôler le processus, et nous allons avec une approche lente et en tout et pour tout. Il y a des ingéniosités au sein de la société et nous pouvons incorporer le logiciel. Et cela nous offre les différents services, et une société telle que la mienne pourra dire, bon, d'accord, nous devons opter pour une institutionnalisation de nos données pour qu'on puisse se conformer à ces différents aspects. Et c'est une manière de tout contrôler, et ceci en termes de ce que nous faisons au niveau des fonds. Et merci beaucoup pour cette différentes contributions, et nous avons eu donc des discussions très stimulantes. Je voudrais maintenant voir vers la fin, je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser, que ce soit en anglais ou en français. Que soyez à l'aise, n'hésitez pas si vous avez une inquiétude, une question, sentez-vous à l'aise pour poser des questions. Ou bien vos questions ont déjà été prises en compte par les interventions des panélistes? Ah, je crois que brièvement, s'il faut parler par exemple de l'approche utilisant les banderoles, par exemple, vous avez par exemple vos banques, vous utilisez donc les indications, les sandbox, que nous apprenons par les panneaux géants et autres pour attirer la clientèle. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui voudra intervenir? Alors, je dois souligner ici que les panneaux géants, par exemple, sont nécessaires pour le développement de Open Finance. Et il y a déjà des boîtes qui existent déjà au niveau de l'Afrique, et il y a beaucoup à faire pour permettre à FinTech de faire des innovations à ce sens-là, surtout lorsque nous parlons des boîtes de signalisation. Et
sans citer des pays qu'on peut voir en premier rang, mais disons que le système bancaire ne dispose pas tellement de boîtes de signalisation. Et tel que cela se fait au niveau des industries de médicaments, est-ce qu'on peut utiliser un médicament sans le tester dans un laboratoire? C'est dangereux. Et donc, si par analogie, nous n'avons pas des boîtes de signalisation, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans le modèle traditionnel de banking. Et donc, FinTech doit avoir un environnement où on peut vérifier et tester les idées et autres. Et je pense que c'est une nouvelle approche. Je pense qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire sur le continent africain. Monsieur Mohamed, je parie que vous voulez intervenir. Alors, juste un résumé du concept, peut-être avec un autre chapeau, bien sûr. J'étais l'ex-président de l'association, une association bancaire au Maroc. Nous avons lancé cela pour une première fois. Et ce fut une opportunité pour Santap et FinTech pour venir faire des démonstrations parce qu'ils n'ont pas l'occasion d'aller aux clients et autres. Nous avons lancé cette opportunité pour ramener les gens, surtout pour ceux qui sont intéressés par l'assurance et autres. Nous avons des sociétés, qui font partie du groupe et qui interviennent dans le secteur de transport, de sécurité ou de banking. Ils pouvaient venir, bien sûr, et ils vont signer un protocole d'accord et après maintenant, ils vont tester certaines boîtes pour leur permettre d'utiliser cette technologie. Et pour les deux parties, c'était chose intéressante. Et donc, cette société de technologie a saisi l'occasion et il y a eu donc une bonne clientèle. Et donc, ceci peut être utile et qu'ils pourront aussi incorporer dans leur processus et dans leur activité. Lorsque nous parlons de la chose et voyant ce que cela a été utile pour et ce pourquoi ça ne peut pas être utilisé, je pense et que le processus tel que ça vient d'être présenté, c'est que c'est une initiative très fantastique pour aller à l'innovation et permettre aux banques d'aller et plus rapidement dans leurs activités. L'élément clé à ce niveau, au niveau du banking, c'est que il faut penser à comment mettre cela en œuvre et nous devons savoir ce qui se fait et quel est donc le logiciel comparé à ce qui existe pour le moment. Et la promesse, c'est que lorsque nous parlons d'un cadre pareil, de l'autre côté, nous avons notre société et qui joue un rôle dans ce niveau et nos populations, mais nos clients sont donc intéressés et cela a captivé plus l'attention de notre clientèle. Et je veux dire que lorsqu'il s'agit de l'inclusion financière, nous voyons ce qui peut être fait à l'endroit du public et des services à rendre. Et à un moment donné, il va falloir encourager les solutions locales et aussi inclure les procédures pour
pouvoir vérifier les nouvelles solutions sur le marché et voir comment on peut équilibrer les deux aspects. Un autre aspect d'inclusion, c'est de voir comment nous pouvons procéder pour comment trouver des solutions multiples pour attirer plus de clientèle pour nos finances. Et lorsque nous ferons cela, je pense que cela permettrait d'aller à améliorer, pensons à la mise en œuvre, à l'application et voyons le fruit que cela peut produire à l'avenir lorsque nous allons incorporer tout dans nos processus. Et c'est là mon point de fin. Je crois que tout a été dit, mais pour clôturer, la question n'est pas si les institutions financières doivent aller à Open Finance, mais c'est de voir comment procéder de façon plus rapide à cela et comment nous serons en mesure de répondre aux attentes de nos clients. Même voir les différentes mutations, les changements dans les différents environnements. Il y a trois niveaux et d'abord, il faut penser aux ceux qui jouent un rôle en matière de fintech et pour permettre à ces données d'être utiles et savoir quelle architecture utiliser. Et aussi, ils ont besoin, parce que cela a déjà été dit, nous avons besoin d'un environnement qui leur permettrait de faire du texte et il faudrait que les panneaux de signalisation, les boîtes de signalisation soient aussi indicateurs. Et déjà, j'ai déjà participé à certaines de ces activités et pour, à la fin, il y a des défis aussi auxquels les banques et les institutions financières sont confrontées et c'est de savoir comment améliorer nos manquements et comment aussi améliorer l'expérience de nos staffs, de nos personnels, parce que plus nous utilisons plus de choses, nous leur offrons plus d'activités, ils vont entreprendre. Voilà les activités auxquelles nous sommes confrontés. Je pense que ça nous permettrait donc d'y aller. Notre temps est déjà parti. Je ne sais pas s'il y a des interventions. Des interventions? Je crois que non. Et donc, on a eu de bonnes perspectives. Nous sommes très contents donc des différents experts. Merci Mohamed, merci Joanne et merci à vous tous et bonne suite.